Monsieur Clerdane. Bravo, monsieur le directeur, bravo! Tous les postes parisiens et régionaux parlent de mon produit sans qu'il m'en coûte un sou. Bravo, monsieur le directeur, bravo! C'est monsieur Guiton. Bonjour, bonjour. De plus, les commandes ont déjà doublé. Monsieur Guiton. Je me suis permis de donner l'adresse de votre agence à un de mes bons amis. Ici Guiton. Pour vous. Oui. Oui. Grosse affaire. Oui. Clistax. Demain 15h. Certainement. Demain 15h. Au revoir, monsieur. Notez-le, jeune homme. Demain 15h. Clistax. Vous voyez, monsieur le directeur... Monsieur Guiton, le... Oui. Que vous n'avez pas eu affaire à un ingrat. Je vais lancer une vraie campagne à présent. Monsieur Malaquais, je ne saurais trop vous conseiller cette fois-ci de marcher sur des œufs. Des œufs? Des œufs? Je l'ai, mon idée. Bien sûr, je ne veux plus avoir affaire qu'à vous désormais. Monsieur le directeur, oui. Vous avez mes lunettes. Oh, excusez-moi. Oh, merci. Merci. Ah, voilà. Ah. Au revoir, monsieur le directeur. Au revoir, monsieur Clistax. Tax. Clistax. C'est ça, monsieur le directeur. Au revoir, monsieur Clerdane. Pardon. Au plaisir, monsieur le directeur. Mais le directeur, c'est moi. Monsieur Guiton. Oui, c'est pas de raison. Allons, au travail. Mademoiselle, prenez une lettre. En réponse à votre honoré du 18 courant, j'ai bien l'honneur d'accuser réception. Toutefois, il nous serait souhaitable de recevoir quelques échantillons. Et ce, afin d'expertise. Je vous signale que le dernier approvisionnement en snowboot et en guérite de guerre